Bonjour à tous, d'où que tu sois en ce beau monde et qui que tu sois, c'est sûr et certain que si tu reçois ce message-là, c'est parce que tu es cher à mon cœur. Je voulais prendre quelques minutes pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Te souhaiter en fait ce qui pour moi a le plus de valeur, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie. Faire la paix avec l'amour, en fait, c'est faire la paix avec soi. Pour moi, c'est un slogan que je prône occasionnellement de vous dire « Arrête de vouloir t'aimer, commence à t'accepter. » Ben, c'est ce qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie un peu plus de 4 ans. D'apprendre à m'aimer véritablement qui je suis, ombre et lumière. D'apprendre à m'aimer véritablement parfaitement imparfaite. Et j'ose dire d'arrêter de vouloir m'aimer, c'est arrêter de vouloir me changer. C'est ça, littéralement. C'est apprendre à aimer qui je suis. C'est changer plutôt le regard que je pose sur qui je suis, les croyances, les idées reçues, l'environnement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y a beaucoup de petites choses qui sont sous-jacentes à cela, mais qui font une grande nuance, en tout cas qui pour moi ont eu vraiment un impact littéralement transformationnel dans ma vie, en apprenant à m'aimer par l'acceptation de qui je suis véritablement avec ma vraie nature. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur souhaiter de plus grand, de plus beau et de plus transformationnel que d'apprendre à s'aimer. J'ai rien trouvé. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour 2021, d'apprendre à aimer, 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 tout simplement. Alors, c'est aussi, peut-être en terminant, de vous connecter avec votre être véritable. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui est important pour vous? Osez vous prioriser, osez passer à l'action pour aller vers ce qui vous anime et ce qui va vous élever, vous faire grandir en humanité, qui va nourrir votre paix d'esprit, votre amour et votre joie véritable. Ça, tout ça mis ensemble, c'est l'accès à un bonheur beaucoup plus stable et durable. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour 2021. Je vous embrasse puis je vous remercie d'être dans ma communauté parce que vous aussi, avait un impact positif dans ma vie et m'aider à cheminer et à grandir en humanité, moi aussi. Alors voilà, je vous souhaite une belle et heureuse année, une joyeuse et lumineuse année. À bientôt. Ciao!